Notre établissement, composé de dar, internat et externat, d'école élémentaire franco-arabe, de garderie d'enfants, d'un centre d'accueil, de sauvegarde et de formation en maraîchage, a, de par sa contribution au développement de l'éducation, de la civilisation humaine et de son rayonnement à travers le Sénégal et la sous-région, attiré l'attention de beaucoup de personnalités de ce pays. Mais néanmoins, force est de constater que malgré les efforts fournis et les résultats obtenus, le DAR n'a reçu de visite de cette envergure. Aussi, nous saluons, Madame la Ministre, votre geste de solidarité et de compassion vis-à-vis de votre communauté en général, mais également face à ces enfants défavorisés et ces familles démunies. Soyez témoins, cher ministre, que cette visite réjouit nos cœurs et ceux de tous ces enfants présents. L'historique de l'établissement a débuté avec le Dar Amer, Al-Ikhlas, d'où son nom, situé à Mbour 1, ouvert en octobre 1998. Les locaux qui abritent Dar et logement étant une donation de feu El Hadj Babacar Diop. Le Dar accueille actuellement un nombre de 178 élèves. Le Dar internat Sokhna Bintoulo est une filière de l'établissement et a ouvert en mars 2005. Le local est une déposition en vue de conservation à Oustaz Ahmed Damloum par une bonne volonté El Hadj Mustapha Ley, ici présent. Il compte 150 élèves internats et 421 élèves semi-internats et externats. Le DAR recevant d'élèves de bas âge à cette époque a jugé nécessaire de les mettre dans leur milieu et de les faire encadrer par des spécialistes en la matière pour de meilleurs résultats. C'est ainsi que la garderie Fatimatou Zahra de Mbour 2 a été créée en octobre 2007. Il a accueilli lors de sa première année 30 élèves, dont 20 filles. Aujourd'hui, l'effectif est de 95 élèves, les uns voulant apprendre uniquement les versets coraniques, tandis que les autres souhaitaient allier l'école française et le Dar. C'est dans ces circonstances que l'école élémentaire franco-arabe a vu le jour sous le nom d'Imam Hassan Cissé. Elle a débuté ses enseignements en octobre 2009 avec 17 élèves, dont 7 filles. Cette année, elle compte 207 élèves bénéficiant d'un enseignement franco-arabe basé sur le programme national en vigueur. Il a enregistré en 2016 un taux de 100% de réussite aux examens d'entrée en 6e et de CFE. Le Dar Ahmadou Barondjeguin, situé au parcelle Zasséni Unité 2, a ouvert en 2012 et reçoit 118 élèves. Le milieu ayant été confié à Oussas par une bonne volonté. La garderie d'enfants Sokhna Khadijatou Ndiéguen, qui est une extension de la garderie Fatimatou Zahra, ouverte en 2015, est une location. Elle se trouve à Fayou et compte 30 élèves, dont 20 filles. S'inscrivant dans une dynamique basée sur la rigueur et la bonne organisation, l'établissement Al-Ikhlas n'a depuis sa création cessé de réaliser des résultats appréciés à travers tout le pays. Créé en 1998, l'établissement n'a cessé d'accroître et de diversifier ses programmes. Aussi, la structure est la première à lutter pour la modernisation des DARA et à appliquer le trilinguisme de l'inspection des DARA du ministère de l'Éducation nationale. L'école a enregistré un nombre de 162 hafiz, dont 98 allient l'école française au DARA, et 303 élèves qui ont fini d'apprendre tous les versets du Coran, dont 207 allant à l'école française et même des universitaires. L'établissement a un personnel au nombre de 35, dont 99% des maîtres coraniques et seyda des garderies sont des ressortissants du DAR. Dans le cadre de ses activités socioculturelles et religieuses, le DAR organise tous les deux ans sa grande conférence précédée d'une journée médicale en consultation gratuite et don de médicaments. Comme perspective, le DAR prévoit, si les moyens le permettent, de déménager les filles dans d'autres locaux acquis par lui-même et en phase finale de construction. Ceci est prévu, si possible, après la fête des Tabaski. L'établissement est structuré comme suit. Le DAR traditionnel et le DAR moderne. Mais depuis sa création et son autorisation à fonctionner par les services compétents du ministère de l'Éducation nationale, le DAR fonctionne sous fonds propres, sans aucune autre subvention ni d'aide, malgré son vaillant combat pour l'éradication de la mendicité.
Et comme vous le savez sans doute, il reste un centre d'accueil, d'assistance et de sauvegarde, ainsi qu'un foyer, un centre de formation et d'apprentissage pour eux. Et également, le DARE ne fait aucune discrimination vis-à-vis de ses élèves et se trouve dans l'obligation de les scolariser une fois qu'ils ont fini d'apprendre le Coran. Certains, dont les âges sont supérieurs ou égaux à 9-10 ans, font un cycle réduit à l'école élémentaire. Au lieu de 6, ils font 3 classes avec un suivi particulier. Après obtention de leur certificat de fin d'études élémentaires, le DARE se charge de leur cursus secondaire et certains sont même des universitaires. Mais malgré ces capacités, les moyens pour s'exprimer et se réaliser lui font défaut, vu leur grand nombre et l'absence de partenaires ou d'appui, allant de leur nourriture à leur éducation et leur bien-être. C'est ainsi qu'il fait face, entre autres, à d'autres charges, à savoir les frais de logement, la rémunération de son personnel et la nourriture des talibés. Jouissant de votre humble faveur, Madame la Ministre, nous sollicitons une formation et une intégration dans la fonction publique de ces enseignants, car certains étant titulaires de maîtrise, de licence, de bac plus, ainsi que des Hafiz Qur'an. Pour remédier au manque d'espace et aux frais de logement, le DARE a acquis, après de longues années de labeur, un lot de 6 parcelles dans le village de Kertiem. Ceci pour en faire un institut islamique pouvant abriter un DARE pour filles et pour garçons, une école, une mosquée, une garderie, un centre de formation en couture et un milieu d'élevage. Le coût total du projet s'élève à 15 750 350 francs CFA. Le fondement de 4 104 100 francs CFA a été bâti, mais les travaux restent en suspens. Vu notre démarche de travail, respectant et appuyant la logique d'État, nous nous croyons méritoires, Madame la Ministre, de recevoir votre appui pour la réalisation de ce projet qui profitera à toute la communauté musulmane et sera digne de fierté pour notre pays. À toutes fins utiles, nous vous joignerons tous les documents nécessaires venant appuyer notre requête et nous tenons à votre disposition pour toute demande d'informations supplémentaires.